Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 29, 30, je sais plus, énième épisode de mon let's play de l'infini sur le jeu Mountain Blade Warband saison 2. Alors, la dernière fois je vous avais laissé, on allait s'occuper d'un petit émir à la noix qui allait se faire mais zigouiller. Quoi? Ah si, quand même. 367 contre 97. Ouais. Non, zut. Tenez cette position. Alors, on est à combien contre combien? On est à 9 et 33, ça fait 42 contre 21. Avantage de combat de 2. Je sais pas qui est parti comme un bourrin là-bas, mais il va se faire défoncer. Par contre, mais Gugus aussi en fait. Sergent Rodoc. Un ancien vétéran Rodoc. Borcha, Catherine et Nisa. Reculez encore. J'aime pas vous savoir en première ligne. On va tirer, hein. Ça coûte rien d'essayer. Qui va se faire défoncer? Il pleut des flèches. Eh, hey, il est solide le machin en face, là. Il est au milieu de la mêlée, mais il tient encore. Ah, quand même. Boum. Il fait pas bon d'être un cavalier saranide. Ah mais voilà. Ah. J'arrive pas à taper. Voilà. Les renforts qui sont arrivés, non? Alors, attendez. Ouais, les renforts qui sont arrivés. Une douzaine de renforts qui sont arrivés. Voilà. Bon, par contre, je déteste vraiment quand il y a des chevaux qui se mettent en travers de ma route, comme ça. Voilà. Il en reste encore. Ah, il est renfort. Quoi, ça les tue pas, mais ils sont à l'agonie, les mecs. Voilà. Voilà. Non. Reviens là. Oh. Voilà. On va bien défoncer. 362 contre 50 et des patates. Hop. Reculez 10 pas. Pas envie que vous fassiez défoncer. Allez, quant à moi, je vais essayer de gérer
la vache. Cavalier Saranide. Voilà. Voilà, j'inflige pas mal de dégâts au cheval. Allez, go. Oh. Voilà. Voilà. Pour moi, là des nouveaux cavaliers. Haha, c'est chier. Pour une fois que c'est pas moi qui me suis raté. Là, je comprends pas. Je lui mets 45 points de dégâts dans la vue. Et ça le tue pas. Boum, le cheval. Pardon, le cheval. Points de dégâts, mais les mecs, c'est quoi? C'est des méga warriors? Voilà. Ouais, non, mon cheval il s'est fait défoncer là. Je me casse! Boum! Voilà, là c'est mieux. Il s'est fait défoncer quoi. Ah, c'est des mamelouks en fait. Je comprends, les mamelouks c'est genre super puissant. Sauf que c'est censé être sur un mamelouk. Chameau ou dromadaire? Oh, je sais plus. En tout cas, c'est pas censé être sur un cheval. C'est pour ça que c'est très bizarre. Oh. Ils ont une sacrée armure. Voilà. Il en reste. Il en reste encore un peu. C'est une grosse baston en fait. Je m'attendais à ce que ça soit plus une formalité. Mais en fait non. Wow, on en a mis 47 au tapis. Oh. Toc. J'ai chopé un émir quoi. Ah, capacité de groupe atteinte. C'est tout ce que je chope. Alors. Toc. Faudrait que j'aille vendre ces trucs. Avant de m'attaquer à... Parce que là j'aimerais bien piller un village. Il faudrait que j'aille vendre. Je vais vite rentrer pour aller vendre deux trucs. Les soldats sont prêts à être promus. 50 contre 45. Allez, on va s'amuser un peu. Non, suivez-moi par contre.
je vais charger en première ligne. Bon, ça va pas du tout là. J'ai tué personne. Voilà. Voilà. Bon, Nizar a fini par être assommé par des bandits de montagne. C'est pas très grave. Bon, toi, t'arrêtes pas de me balancer des trucs à la gueule. Ça me saoule. Voilà. Non, oui. J'ai infligé 2 de dégâts, quoi. Non, il passe pas devant moi, abruti. Arrêtez de vous protéger, ça sert à rien. Ça allonge juste votre calvaire. Il en reste. Combien j'en ai perdu? 4. Ah. Voilà. 4 tués, 6 blessés. Bon, je peux pas en prendre plus. Voilà, là c'est pas mal. Pas mal de promotion. Toc, comme ça on pourra revendre tout ce foutoir. Les soldats sont prêts à être promus. Voilà, j'ai plein de choses à faire. Toc. Plein de choses à faire, pas mal de choses à vendre. Ok, il n'y a plus la place. Voilà. Là, on est bien. Ça c'est pillé, on va aller du côté de Pingouin d'Or, c'est pillé aussi. On va pouvoir y retourner. Recruter des volontaires, voilà. Donc on est à 54. C'est pas mal, sachant que je crois que je peux encore... Je peux encore repérer des gens. C'est bien, Nizar, on peut te monter de niveau. Force, pas mal. Tactique, tu vas être notre homme de tactique. Zut, j'aurais dû aller à Veluca. Oh, demi-tour, je vais regarder si j'ai pas de quoi. Non, Veluca, voilà, hop. Taverne, c'est rançonneur que je cherche. Et ensuite, on ira piller un village. Un voyageur, un bélétrier, un askik et un fermier. Ouais, les fermiers c'est pas mal pour repérer un peu les niveaux. Sarimich. C'est où Sarimich? Ah c'est là. Ouais, et puis c'est sur la route. On va aller voir du côté de Sarimich. Attendez, parce qu'il y a des trucs qui sont... Kirgit Canard. Il y a des gens près du château d'Erguelon. Bon, c'est bon, il n'y a plus personne. Ils ont dû se barrer. Alors, Sarimich.
Alors, 38 bandits. On va les attaquer, sachant qu'il y a de quoi faire tampon. Je sais ce que je vais faire. Allez. Oh la vache. C'est peut-être une mauvaise idée en fait. Ah la vache. Tac. Il en reste. Combien j'en ai perdu? 0. Il y a juste quelques fermiers qui se sont fait un peu défoncer. Il n'y a rien. Bon. On va recruter des volontaires. Allez. On va essayer. 3 500 de mes argent. Allez. Ok. Donc là, il faut qu'on fasse monter de niveau un peu tout le monde. Oh, des arbalétriers vétérans. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment très très cool. On commence à récupérer une bonne petite troupe de bourrins. Donc il y a des patrouilles ennemies près du château d'Almera. On va aller là-bas. Non, on va pas aller là-bas. Le château d'Almera. Qu'est-ce qu'ils foutent? Alors, on va se décaler. Faut qu'on fasse très très gaffe. Parce que là, ça va durer pendant un petit bout de temps. Je suis con, 30. Ah ouais. Il a quoi? Donc, les mirades d'art. Troupes vétérans. Allez, on va se battre. Ça va être chaud, mais on va se battre. J'espère que ça va passer. C'est marrant qu'il m'ait attaqué avec 30 unités quand même. Pourquoi ils se mettent de dos? On doit avoir un avantage tactique que dalle. On n'a pas d'avantage tactique. Bon, c'est-à-dire qu'il avait pas mal monté sa tactique. Parce que là, on est 31 à 30. Bon, sachant que j'ai 20 réservistes derrière, ça va. Le truc, c'est qu'il a mis tous mes hommes du clan Rodok en ligne de front. C'est qu'il y a masse cavalier en face. Ah, ça fait 20 minutes, je sais.
vais essayer de faire diversion. Oh! Voilà. Voilà. J'ai eu l'émir. Bon, là normalement, oh la vache, ils se font défoncer. Je les empêche de trop approcher. Voilà. Chargé. Allez, démerdez-vous. Non, c'est votre tour. Allez. Ouf. Reviens là. Non. Il reste un là-bas. Et ça sera déjà pas mal. Non mais chopez-le quoi. Quatre morts. Bon, ça va. C'est pas si horrible que ça. Je m'attendais à pire. Bon, il a réussi à s'échapper, mais c'est pas très grave. Un sergent Rodoc, ça c'est cool. Sans doute une des unités les plus fortes du jeu. En tout cas les plus bourrines. Plus 35 à la protection de la tête. Oh oh oh. 20 à la protection des jambes. Oh oh oh. Ça c'est cool, ça c'est très très cool. Ça serait très 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 cool. On prend tout. Les soldats sont prêts à être promus. Voilà, on commence à avoir une belle petite troupe de bourrins. On recommence à récupérer des gens. Donc, eh ben, on va s'arrêter là pour cet épisode. Dans le prochain épisode, on va commencer par piller le village. Et puis, on verra après pour la suite. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. À me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, à dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut à tous!